Un bloc court et un bloc pas très réussi, hein, puisque on a pris 5 points sur 12, donc 8 qu'on aurait pu prendre puisqu'on recevait Montauban et contre qui on a perdu. Voilà, donc c'est un échec qui a mis un arrêt un peu à cette dynamique que l'on aurait pu avoir si on avait gagné. Mais voilà, Montauban ce jour-là était plus fort que nous, il faut l'accepter. Et ont été plus réalistes. Ils sont venus 4 fois chez nous, ils ont marqué 4 fois. Voilà, il faut tirer un trait. Je crois que le passé, c'est le passé. Il faut en tirer un bilan, nous on l'a fait. Se projeter sur le bloc qui arrive, qui n'est pas simple, puisque c'est l'un des blocs les plus difficiles de la saison pour nous. Mais voilà, je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y a des petites équipes qui ont fait le bilan et on se rend compte que des équipes comme Vannes, c'est pas faire enfin ces clubs-là, mais Vannes, Angoulême, même Montauban qui était derrière nous, ils sont très durs à jouer, si ce n'est très compliqué. Donc on va jouer tous les matchs. Je crois que ce week-end, ça va Bayonne avec les mêmes intentions, la même ambition et la même volonté qu'on l'a fait jusqu'à présent, celle de vouloir gagner. On ne l'appréhende pas, je crois qu'on l'a bien préparé. Les garçons ont bossé la semaine dernière, même s'il n'y avait pas de match au week-end. Voilà, on l'appréhende pas, on y va avec, voilà, toujours la même ambition, la même volonté, et puis surtout là, le plaisir de vouloir jouer à Bayonne. C'est quand même un bel endroit pour jouer au rugby, où le stade est souvent plein, il y a de l'ambiance, et où forcément de faire un résultat là-bas serait exceptionnel. Après, pour le faire, il faut être performant, fort, parce que cette équipe, au-delà de son manager, est une belle équipe et une grande équipe. Donc on s'attend à ce que ce soit très compliqué, mais voilà, on ne l'appréhende pas, on y va avec sans pression et juste envie de bien faire. Et il reste les matchs, hein, on croit qu'il en reste peu, mais il en reste pas mal. Oui, forcément. Et puis c'est le bloc qui générera l'avenir de la saison et le match qui vient demain est le premier de ce bloc. Donc, tous les matchs que l'on va jouer dans ce bloc sont importants et détermineront, à mon sens, l'avenir sportif du club. Si on gagne 2 sur 4, ça sera très bien et auquel cas, on sera à l'oreille du bois prêt à bondir si des fois il y avait une opportunité. Si on venait qu'en perdre 3 sur 4, ça deviendrait plus compliqué. Si on venait qu'en perdre 4 sur 4, ça deviendrait très compliqué. Voilà, mais voilà, ne soyons pas pessimistes et soyons ambitieux. Et puis, déjà, on a un match important demain. Selon le résultat, il nous permettra d'être, même si on perd avec des intentions et en faisant un gros match, peut-être il nous permettra d'être bien mentalement pour préparer Nevers, qui est le leader, et pouvoir peut-être le gagner.